Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma dernière vidéo, je crois. Je sais plus, parce que j'en ai fait aussi d'avance. Si, je crois que dans ma dernière vidéo haul, je vous ai parlé que j'avais recommandé, parce que la semaine dernière, Make4 faisait des promos à moins 50%. Alors pas sur les nouveautés mais sur les choses d'avant, et je vous avais dit que j'avais recommandé. Donc du coup je viens vous montrer ce que j'ai pris. Donc déjà j'ai pris 3 washi. Donc j'ai pris le hashtag 19 qui s'appelle Wishy Washi, avec mon anglais pas terrible, voilà. Ensuite, j'en ai pris un deuxième que j'aimais beaucoup. Alors, j'avais jamais fait attention en fait qu'ils étaient aussi, ils avaient aussi des numéros, les washi. Donc, je pense que je vais le noter. Là, j'ai gardé le papier là, mais au bout d'un moment, je vais l'enlever et je vais le noter à l'intérieur. Et aussi que c'est des Holland Create. Parce qu'après, je ne vais pas me rappeler. Il y en a certains que je me rappellerai, mais pas tout. Là, c'est le hashtag 22, c'est Flower Dancing. Donc, dessiné par Jeannette Klein. Ah, celui-ci aussi. Donc, le premier et le deuxième que je vous montre par Jeannette Klein. Donc, là, c'est des fleurs. Voilà. Et le dernier, qui est un peu plus large que les autres d'ailleurs, oui, c'est le hashtag 50 et c'est Neon Dream. Il est comme ceci. Voilà. Je déroule pas trop parce qu'après, c'est galère à recoller. Et j'entends mon chien qui est en train de râler après le chat de ma fille. Je crois bien. Je crois bien. Allez, ensuite on va enchaîner avec les tampons. J'ai pris, alors je ne vous montre pas forcément dans l'ordre, le hashtag 854. Moi j'ai déjà la petite poupette, la petite sirène. Donc là j'ai pris le petit garçon. J'ai pris celui-ci parce que ça faisait aussi un moment qu'il me faisait de l'œil, mais j'aimais beaucoup celui-là avec l'ampoule là. Donc le hashtag 1039, donc des insectes. J'ai pris, j'aime beaucoup. Parce que je trouve que ça change énormément. Déjà, je trouve que c'est... Dans les tampons, c'est... Enfin, chez Jeannette Klein, on arrive encore à avoir des garçons et tout ça. Mais là, on a des papis. Et du coup, j'ai trouvé ça super bien. Donc, comme j'ai déjà une petite mamie, voilà. Du coup, ben là, j'ai pris les deux papis. Un pour l'été, un pour plus banal, on va dire. Donc, c'est le hashtag 849 et 850. Voilà. Et j'ai pris un grand tampon parce que j'aime beaucoup les engrenages. C'est le hashtag 195. Et comme il y avait 50% dessus, eh bien, j'en ai profité. Parce que ça, c'est un format A4. Donc, c'est vraiment un grand, grand, grand tampon. Voilà. Et j'ai pris, pour finir, alors ça, c'était pas soldé. J'ai pris, j'aime beaucoup les tags, les dies qu'il a sortis autour de moi. Et du coup, je suis en train de regarder si c'est bien lui. C'est même pas marqué là. Il me semble que c'est lui, non? Je sais plus. En tout cas, j'adore, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris celui-ci qui est le hashtag 29 et celui-ci qui est le hashtag 34. Et dans mon haul d'avant, je vous avais montré qu'il m'avait offert l'autre avec les chiffres. Donc là, j'aimais beaucoup les igougouis là. Voilà. Et là, j'aime beaucoup ces deux formats différents. Moi, ils sont déjà en boîte. Donc voilà, je vais vous donner éventuellement les dimensions. Comme ça, ça vous donne une idée. Donc je vous donne de l'extérieur, hein, le plus grand. Après, bah, les autres, ils s'incrustent à l'intérieur. Celui-ci fait 17 par à peu près 9. 17, là, comme ça, parce qu'il est en travers pour pouvoir rentrer dans ma boîte, sinon il ne rentrait pas. Donc, 17 par 9.
Et l'autre, il est là. Donc voilà, j'avais eu celui-ci l'autre jour. Et là, je me suis pris celui-ci. Et il fait 16 par à peu près 12. Donc je vous compte avec les igouigouis qui font des montagnes là, de chaque côté. J'ai dit 17 par 12. Non, 16 par 12. Et celui-ci, c'était celui que je vous ai donné sans doute l'autre fois. C'est à peu près du 15,5 par 11. Voilà. Donc, je pense que là, je suis parée en die de en dice de tag. Ou tag de. Oui. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne le tag, le premier que je vous ai montré. Ça donne ceci. Donc, très joli. Moi, j'adore. J'adore les igouigouis. Là, en plus, c'est très, très, très fin. J'aime beaucoup. Et l'autre, c'est celui-ci. Voilà. Alors, je vous ai. Les petits morceaux, je ne les ai pas faits. Ah, si, j'en ai fait quelques-uns. Je ne me rappelle plus. Si, si, j'en ai fait quelques-uns. Il y a une forme de timbre. Et il y a ces petits gouzigouigouis là que j'adore. Attendez si j'arrive à vous les attraper parce qu'ils se mélangent avec tout le reste. Ces petits igouigouis comme ça là. Que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. C'était juste ça. Vous montrer mes achats. Je crois qu'on est arrivé par là. Voilà, je suis assez fatiguée. J'ai passé un week-end à déménager ma fille. Donc, on est lundi et c'est dur. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. On va se retrouver... en tout cas, sur Facebook, pour... le challenge qu'il va y avoir alors Makeforge, je pense qu'ils vont bientôt vous en parler avec ces fameux tags et puis je reviendrai, enfin je sais que j'ai une vidéo là de fête après je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos parce que j'ai encore pas mal de choses voilà, dans l'ancien appartement de ma fille, il y a encore de la peinture à refaire, des travaux, et puis bah, le ménage avant de rendre l'appartement. Donc tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc moins de temps pour les vidéos. J'essaye de faire en tout cas quand même des créas, puisque j'ai des impératifs. Étant d'été, voilà, je dois produire, ce qui est normal. Mais du coup, au mois de février, je ne sais pas si je vais arriver à faire beaucoup de vidéos. Voilà. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.